Salut toi! Aujourd'hui, je vais fabriquer le cadeau d'anniversaire pour mon frère. Mon frère a l'anniversaire dans 2 jours. Cette vidéo sera courte et simple, je pense. Mais j'avais envie de filmer parce que c'est la première fois que je fais un projet comme ça. J'ai pu le dessiner moi-même, mais j'ai décidé d'acheter un fichier qui était déjà tout fait pour me faciliter la tâche parce que je m'y prends peut-être un peu tard. Mais j'ai décidé de le modifier un peu, notamment ça c'est la plaque du fond et j'ai envie d'y graver des paroles de leur chanson puisqu'il est dans un groupe. Et ici sur, je sais pas comment ça s'appelle, cette partie de la guitare, honte à moi, j'ai fait de la guitare pendant 3 ans, j'ai envie de graver Don't Panic parce que c'est la phrase fétiche à mon frère. Donc ici on a la plaque du fond, la plaque en acrylique qui sera donc la vitre, ça c'est la plaque de tout devant, ici on a les éléments de déco qui viendront être collés là-dessus, et ensuite il va falloir découper une certaine quantité, je ne sais pas encore exactement combien, de celui-là qui est du coup la planche qui va entre avec ici le slot pour mettre les sous. Il va falloir que je mesure ici si une pièce de 2 euros ça passe, par contre je viens d'y penser. Donc laisse-moi mesurer ça et ensuite on va découper le fond sur la Gloforge. Bon, je pense que le fichier est fini. La plaque arrière de la tirelire ainsi que la plaque tout devant sera fait avec ce contreplaqué parce que j'adore le fait qu'on voit les rainures du bois. Et les plaques qui seront en sandwich entre ces deux plaques-là, ce sera du MDF parce que le MDF c'est beaucoup moins cher et de toute façon on ne le verra pas. Donc autant prendre le truc le plus économique. Donc là, j'ai la première plaque de bois qui est dans la machine. On va lancer la partie du bas, la base, et on verra ce que ça donne. On part sur un peu de Tetris pour avoir la plaque du fond et la plaque de devant sur la même planche de bois, et ça va mettre 19 minutes et 24 secondes pour couper ces deux choses-là. Ok, on a la partie du bas. Il faut encore que j'enlève le scotch de masquage. On a la partie tout au-dessus. Et maintenant, il va falloir créer ce qui vient entre ces deux parties. Regarde pas trop le fond, c'est pour une autre vidéo. Travailler avec un laser, c'est aussi assouvir ma passion pour Tetris littéralement tous les jours. Donc là, deux fois le contour avec le slot, l'emplacement pour laisser passer la pièce et les éléments de déco. On découpe. Pour cette partie-là, on est à 6 minutes 17 secondes. Le truc hyper satisfaisant à faire. Alors, j'en ai découpé 4 de ces intercalaires si tu veux. Oh, je sais pas si c'est assez profond. Laisse-moi tourner ça. Il va voir. Je pense que je vais en rajouter encore au moins deux. Et je me suis dit aussi, c'est un peu con parce que maintenant j'ai rajouté un design sur le derrière, mais là il va y avoir une plaque en acrylique et il va y avoir ces éléments là qui vont se mettre par-dessus. Du coup, on verra même pas mon design. Je sais pas trop ce que j'en pense. On verra. Je vais encore découper deux comme ça et ensuite la plaque d'acrylique. Et on verra. Pour la plaque d'acrylique, on part sur 1 minute et 7 secondes. Bon, je pense que j'ai toutes les pièces. Au final, j'ai 6 intercalaires. Donc 3, 4, 5. Et le sixième que j'avais déjà mis, attends, on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement. Il faut évidemment que je colle ensemble. Ensuite, on a la couche d'acrylique qui vient dessus. Oui, je ferai mes vitres plus tard. Et la partie déco qui vient à la fin. Et ensuite, les petits éléments de déco là, lui qui va venir ici. Lui qui du coup va venir par là et celui-là, c'est comme ça ou comme ça?
il faut que je vérifie le sens sur une photo de guitare, mais ça ressemblerait à ça. Et du coup, on pourrait quand même lire la citation en dessous en fonction de si on le regarde de côté ou pas, donc j'imagine que ça passe. Maintenant, on passe à la partie déco. Donc, ce que je me dis, c'est que ces éléments-là, je vais les peindre en noir, et le texte-là, je vais le repasser avec du doré. Le fond, je vais le laisser tel qu'il est. Tout le MDF, je vais les laisser tel qu'ils sont. Je vais juste les coller ensemble, évidemment. Et celui-là, je me demande si je le ferai pas dans un marron un peu plus foncé pour avoir ensuite les frettes ici en doré et peut-être ça en doré aussi. Et du coup, tout le bois en plus foncé. Je crois que je vais faire ça et j'espère ne pas regretter ma décision. Je crois que j'ai réussi à peindre tout ce que je voulais peindre. J'ai assemblé toutes les plaques de MDF. Du coup, ben, on en est à l'assemblage final déjà. Enfin déjà, ça fait quelques heures que j'y suis quand même. Ok, on assemble. Elle est terminée et je l'aime trop. Elle a le trou ici pour mettre les petites pièces. J'adore la vitre, j'adore tout. J'aime tout, je l'aime trop. Et j'ai trop envie de m'en faire une à moi en forme d'avion. Je ne le ferai pas dans cette vidéo parce que j'ai dit que cette vidéo serait super courte et qu'on se concentrait sur un projet. Mais si tu veux voir une vidéo avec la version avion ou si tu veux voir un TikTok, un YouTube short, un réel, peu importe, avec la version avion, dis-le moi. Ou si tu as d'autres idées de forme qu'on pourrait faire. Enfin, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'offrir à mon frère demain. Je l'ai montré à sa copine aujourd'hui qui m'a dit qu'elle était sûre qu'il allait adorer. Du coup, bah, on va voir ça. Je vais l'emballer, lui offrir demain. Bref. Je te filme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite tirelire. Don't panic. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye !